Samedi 7 février, bienvenue à La Ciotat. Son soleil, son port, mais aussi son club de squash, car c'est ici en plein cœur de la cité phocéenne que se déroulaient les finales des championnats de France, première série de squash. Et pour l'occasion, un public nombreux s'était massé pour assister aux deux finales masculines et féminines. Parmi eux, le président de la Fédération de squash, une fédération qui se trouve à une année charnière de son existence, puisque c'est en 2009 que le squash pourrait être déclaré discipline olympique. En octobre, le CIO va dire quels sports vont devenir olympiques. Je crois que le squash correspond aujourd'hui tout à fait aux différentes demandes de l'olympisme. Son universalité, la qualité de ses épreuves nationales et internationales, le nombre de pratiquants dans le monde, tout ça donne au squash des cartes tout à fait exceptionnelles. Pour un sport de raquette comme le nôtre, qui est pratiqué par plus de 15 millions de personnes dans le monde, sur tous les continents, être discipline olympique est une reconnaissance et je regrette que nous n'y soyons pas depuis plus longtemps. Avec deux joueurs français dans le top 10, le squash tricolore aurait d'ailleurs une bonne carte à jouer. Au championnat de France, ce samedi, ce sont les favoris de la compétition qui se sont hissés jusqu'en finale, passant donc avec succès les tours de qualification. Côté messieurs, la finale opposait Thierry Lincou à Grégory Gauthier, les deux meilleurs joueurs français. Et au terme d'un match de toute beauté disputé en 5 jeux, c'est finalement l'intarissable Thierry Lincou qui s'impose. Une 11e victoire acquise dans cette épreuve des championnats de France, et ce, à l'âge de 32 ans. C'est vrai qu'à 32 ans, plutôt en fin de carrière, elle arrive comme un bonus. J'ai joué un adversaire qui est devant moi au classement français, au classement mondial. Il vient de gagner le dernier tournoi professionnel à New York, en pleine bourre. Donc c'est vrai que je suis allé chercher loin en moi cette victoire. Et c'est certainement l'une des plus savoureuses. Son adversaire du jour, Grégory Gauthier, prend plutôt bien cette défaite. Lui qui a pour objectif en 2009 de devenir le numéro 1 mondial. Je suis venu ici pour gagner. Bon, c'est pas grave, hein, je suis pas déçu hein, du tout. Je suis venu ici, j'ai essayé de faire mon mieux. Voilà, j'ai pas forcément de regrets. Si j'avais pu gagner, j'aurais pris cette victoire. Mais tant mieux pour lui, il mérite aujourd'hui. Voilà. Côté filles, cette fois, énorme surprise avec la victoire de Camille Serme face à celle qui restait sur 9 titres consécutifs dans ses championnats de France, Isabelle Stoer. À 19 ans, Camille Serme représente parfaitement la génération montante du squash français, même si sa victoire du jour n'a pas été acquise dans la facilité. Facile, non. Elle s'est accrochée quand même. Elle a plus d'expérience que moi et je savais qu'il fallait que je tienne jusqu'au bout parce qu'elle peut toujours revenir. C'est une belle victoire pour moi. Le fait de l'avoir déjà remporté plusieurs fois en junior, ça ne fait pas le même effet du coup, même si c'est un senior. En fait, je suis plus heureuse de me dire que j'ai battu une numéro 10 mondiale que pour le titre. Camille Serme, issue de l'US Créteil, est un pur produit de la formation à la française. Le directeur technique national ne s'y trompe pas. Présent pour l'occasion, il espère bien continuer sur cette lancée afin de voir apparaître de nouveaux champions dans les années à venir. Les objectifs sont de continuer effectivement avec les entraîneurs nationaux sur la sélection détection et de s'appuyer sur les pôles que nous avons qui sont situés à Aix-en-Provence et à Créteil sur les pôles France et les pôles Espoir ainsi qu'au Mans pour continuer effectivement à former nos jeunes et les amener vers les équipes de France pour essayer de ramener les titres aussi bien au niveau mondial qu'au niveau européen. Outre le succès de cette édition des championnats de France, c'est tout le squash français qui est en réussite. Cette nouvelle génération pleine de promesses et tout le monde du squash n'attend désormais plus qu'une seule chose, être homologué par le CIO en octobre prochain comme discipline olympique.